Vous le savez maintenant, depuis plusieurs mois, nous sommes rentrés dans une période d'inflation constante. Alors, qu'est-ce que l'inflation, la déflation ou encore la stagflation? Beaucoup de termes, mais peu de solutions. Est-ce qu'on n'est juste pas en train de se foutre un petit peu de nous? Je vous dis tout dans cette vidéo. Dans une économie de marché, les prix varient soit à la hausse, soit à la baisse. L'inflation est-elle une augmentation constante des prix des biens et des services sur une période donnée? On parle également de hausse du coût de la vie ou de baisse du pouvoir d'achat. En France, pour mesurer l'inflation, on se sert de l'indice des prix à la consommation, dit IPC. Cet IPC regroupe plusieurs domaines de produits qui seront pondérés à un certain pourcentage, dans lequel on va pouvoir soit observer une augmentation constante, donc la période d'inflation actuelle, ou soit une diminution globale de ces prix. Ce sera la période de déflation. Par exemple, en 2021, l'alimentation pèse 15,8%, le logement pèse 15,3%. Ce poids prend en compte les loyers et les charges comme l'eau, l'électricité. La restauration prend, elle, 6% et l'habillement prend 3,6%. On observe donc une grosse dominance de l'alimentation et du logement. Alors au final, si l'inflation augmente petit à petit le coût de la vie, eh ben, on va voir que cette inflation érode progressivement la valeur monétaire. Même si vous avez une même somme d'argent, il va vous être de plus en plus difficile d'acheter les mêmes produits au même prix. C'est-à-dire encore une fois que plus l'inflation va augmenter, plus il va vous falloir des euros supplémentaires pour acheter un produit équivalent. C'est là où l'inflation est dangereuse puisque visuellement on ne la voit pas. Et donc ça va être à nous, investisseurs, d'anticiper cette inflation et de protéger notre pouvoir d'achat. Maintenant qu'on sait qu'est-ce que l'inflation, quelles en sont les causes? Il existe principalement quatre causes à l'inflation. La première cause sera donc l'inflation par les coûts. En effet, si le prix des matières premières flambe, eh ben, le coût de production pour les entreprises flambera également. De ce fait, pour continuer à progresser et vivre, les entreprises ont l'obligation de répercuter sur ce prix sur le prix de vente, et donc on va avoir une hausse généralisée des prix pour tout le monde. On parle ainsi de premier saut inflationniste. Cependant, il faut savoir également que la hausse des salaires est liée à l'inflation. De ce fait, pour les entreprises, s'il y a de l'inflation, il y a hausse des coûts des matières premières, mais il y a également hausse des salaires. De ce fait-là, on va parler du deuxième saut inflationniste puisque l'entreprise devra à nouveau réaugmenter ses prix pour pouvoir vivre normalement. C'est donc une hausse des prix et un cercle inflationniste qui se met en place pour les entreprises et pour les consommateurs. La deuxième cause d'inflation va être l'inflation par la demande. Lorsqu'on sort d'une économie de marché assez morose, les entreprises vont avoir tendance à d'abord vouloir écouler leur stock plutôt que de produire davantage. De ce fait-là, quand les stocks vont être écoulés, on va avoir des produits qui seront moins disponibles et donc on va avoir des prix au niveau de ces produits qui vont naturellement augmenter puisque les produits seront d'autant plus rares. On parlait précédemment de cercle vicieux, ben là ça va être la même chose. Puisque quand tout va bien, les entreprises vont produire davantage, on va avoir une demande qui va être croissante et donc on va avoir une augmentation par exemple de la part de salariés. Les entreprises vont chercher à embaucher un petit peu plus à chaque fois et donc vont produire plus. Tous les stocks vont être écoulés, mais à l'inverse, quand on va avoir un écoulement de ces stocks, on va avoir une diminution de l'approvisionnement, une diminution peut-être du coût de vente et donc forcément une baisse de salariés. On va avoir même une période dite de licenciement, un chômage qui va s'accentuer et donc on va avoir là un nouveau cercle vicieux. Troisième cause d'inflation, ça va être l'inflation importée. Lorsque le taux de change d'une monnaie se déprécie par rapport à une autre, on va avoir une hausse conséquente des produits importés et donc des matières premières également importées. Cette augmentation va toucher aussi bien les entreprises qui vont devoir également répercuter ce coût, mais également les particuliers qui vont avoir une augmentation conséquente des coûts de la vie et donc de leur pouvoir d'achat. La quatrième grande cause d'inflation est l'inflation par excès de création monétaire. Certains économistes qualifiés de monétaristes évoquent même cette cause d'excès de création monétaire comme la seule grande cause valable en période d'inflation. En effet, ils considèrent que l'inflation est là puisque le stock de monnaie circulante est supérieur à la création de biens et de services. C'est donc un excès de création monétaire par les banques commerciales
ou par le financement du déficit public par la banque centrale. C'est ce que l'on dénomme souvent par l'expression « faire fonctionner la planche à billets » qui serait à l'origine de l'inflation. Alors maintenant qu'on a vu les quatre grandes causes d'inflation, qu'en est-il de l'inflation de 2022? La reprise économique consécutive à la crise du coronavirus a mis en évidence des tensions d'approvisionnement. De ce fait, la cause de notre inflation 2022 était au départ une cause d'inflation par la demande. Effectivement, on avait un excès de demande par rapport aux produits et services disponibles. Le gouvernement avait donc mis en place certaines aides, certaines protections budgétaires pour pallier à ce début d'inflation. Cependant, le début du conflit en Ukraine, le 24 février dernier, a prorogé cette inflation et l'a même accentuée. La guerre opposant la Russie et l'Ukraine ont fait flamber le marché en termes de matières premières. Le gaz, l'électricité, le blé et toute autre matière première ont vu leur prix grandement multiplié. Si on ajoute à cela en plus des entreprises qui ne jouent pas forcément le jeu et essayent de profiter de la situation pour générer le plus de profits, j'entends par là des entreprises qui essayent de profiter un petit peu de la situation en faisant gonfler leurs prix et en protestant des délais de livraison et de production un petit peu trop longs pour cause de guerre en Ukraine. N'avez-vous pas l'impression que depuis quelques mois tout est fabriqué en Ukraine et que tout des causes de la guerre entre Russie et Ukraine. C'est en ça que pour moi, il était important de vous fournir un maximum d'informations sur qu'est-ce que l'inflation, quelles sont leurs causes, pour un peu essayer de démêler le vrai du faux et éviter qu'on se foute un petit peu de nous. Alors maintenant qu'on sait les différentes causes de l'inflation, quelles sont les conséquences? Alors avant toute chose, on va voir qu'une inflation n'est pas forcément une mauvaise chose. Une inflation modérée est même une bonne chose pour l'économie. Je m'explique. Une hausse générale mais modérée serait même l'objectif des politiques monétaires. À ce titre, la Banque Centrale Européenne, dit BCE, placerait une inflation à 2% comme étant une cible optimale. Une inflation modérée va avoir ainsi plusieurs avantages. La première, c'est que ça va permettre aux entreprises d'augmenter progressivement leurs prix et d'anticiper ces hausses constantes. Ceci va avoir pour conséquence de se projeter plus facilement sur l'avenir et d'investir plus sereinement. Deuxième conséquence, ça va être au niveau des ménages. Si on va avoir une économie de marché qui va être assez bonne, on va avoir la plupart des ménages qui vont être enclins à investir plus sereinement. C'est-à-dire qu'au lieu de mettre et de placer son argent sur son compte courant sans y toucher parce qu'on n'est pas sûr de l'économie, on va avoir la plupart des ménages qui vont investir. Investir dans quoi? Principalement dans l'immobilier ou la bourse. Si on investit en bourse, c'est-à-dire qu'on va investir dans la plupart du temps sur des actions, c'est-à-dire qu'on va participer au financement aussi d'entreprises, et donc tout ceci va favoriser une économie de marché qui va inciter à ce que tout le monde, particuliers mais aussi entreprises, investissent et donc collaborent à une économie de marché saine. Troisième conséquence, ça va avoir une stabilisation et des conditions de taux d'intérêt et donc de taux de crédit qui vont être intéressantes. Je m'explique, si on a une inflation assez modéré, on aura pareil une vue d'ensemble sur l'avenir qui va être assez intéressante pour investir et donc on va avoir des conditions de crédit qui vont se stabiliser et donc être assez attrayantes pour les particuliers mais aussi les entreprises et donc toujours pareil, on va avoir une incitation à l'investissement. À l'inverse, une inflation beaucoup trop importante va avoir des conditions plus que nocives. En effet, au niveau des entreprises, on va retrouver là le terme principal de compétitivité. En effet, si on a une inflation qui va être trop importante dans notre pays, on va perdre en compétitivité par rapport à d'autres pays. Ainsi, il va y avoir la double conséquence que si nos entreprises doivent augmenter leurs prix pour pallier à leurs différents coûts, on va avoir une baisse des exportations puisque notre prix de vente sera beaucoup trop élevé par rapport à d'autres pays. Ensuite, on va avoir l'effet inverse. Si nos entreprises possèdent des prix de vente beaucoup plus élevés, on va nous-mêmes, consommateurs particuliers, essayer d'aller trouver ce même produit moins cher ailleurs. La conclusion, c'est quoi? C'est qu'au final, on va avoir une réduction des ventes pour les entreprises. Qui dit réduction de vente dit réduction de chiffre d'affaires et qui dit réduction de chiffre d'affaires dit licenciement dans la plupart des cas. Deuxième cercle vicieux pour nos entreprises, c'est que si on est dans une période d'incertitude avec l'inflation au niveau de la France, on va avoir nos entreprises qui vont être moins enclins à investir sur des domaines bien particuliers, à étendre leur domaine d'activité et à acheter, investir en termes de filiales, etc. Au niveau des particuliers, maintenant, on va avoir le premier cercle vicieux qui va être forcément une augmentation du coût général de la vie et donc une baisse du pouvoir d'achat. On va avoir des particuliers qui, comme je vous disais précédemment,
tendent à acheter des produits qui vont être importés et on va avoir une baisse des investissements et donc des particuliers qui vont placer de plus en plus leur argent sur le compte courant sans y toucher et on va avoir une érosion progressive de leur monnaie stockée sur leur compte courant. Point positif toutefois à une inflation assez importante, ça va favoriser les emprunteurs puisque la valeur réelle de leur dette va diminuer. À l'inverse, par contre, les créanciers, donc ceux qui octroient les crédits, seront perdants dans ce cas-là. Alors maintenant qu'on a vu les causes de l'inflation, les conséquences qui peuvent en découler, quelles sont les solutions pour nous particuliers? Je le dis et je le répète à chacune de mes vidéos, l'important pour nous investisseurs, c'est de ne pas laisser dormir notre argent sur le compte courant. Effectivement, si vous placez 20 000 euros sur votre compte courant, que vous n'y touchez pas, à une inflation à 6%, c'est 1 200 euros théoriques que vous perdez. Effectivement, vous ne le sentez pas et c'est là tout le danger de l'inflation, puisque vous avez toujours cette même somme d'argent sur votre compte courant, mais vous pouvez acheter moins de choses avec cette même somme d'argent. Alors la solution, ça va être quoi? C'est de faire travailler notre argent, investir dans des solutions qui superforment ou à minima égalent l'inflation pour qu'on ne perde pas d'argent, mais aussi investir via l'effet de levier, c'est-à-dire l'effet avec crédit. L'avantage d'une inflation importante, c'est que la valeur réelle de notre dette en tant qu'emprunteur, elle va diminuer. De ce fait-là, ceux qui vont emprunter vont gagner en période d'inflation. Alors ça, c'est des solutions que vous, investisseurs, que vous particuliers, vous pouvez réaliser pour maîtriser vous-même votre pouvoir d'achat et votre argent. Malgré tout, si vous êtes dans des solutions plus passives, on va avoir les solutions de l'État, puisqu'on va avoir tout ce qui va être bouclier tarifaire, réduction à la pompe à essence, chèque énergie, revalorisation des livrets, triplement du plafond de la prime Macron à hauteur de 6 000 euros, prime de rentrée exceptionnelle. Toutes ces solutions sont en fait des solutions trompe-l'œil. Pourquoi? Parce que, par exemple, pour la prime Macron, c'est les entreprises qui, là, ont la possibilité de vous donner une rémunération supplémentaire. Mais les entreprises, en période d'inflation, on a vu que c'était plus compliqué pour elles. Donc, finalement, c'est une solution un petit peu trompe-l'œil. Également, tout ce qui va être réduction à la pompe, bouclier tarifaire au niveau des énergies. Tout ça, c'est des solutions temporaires, c'est-à-dire que quoi? C'est l'État qui vous octroie cette réduction, mais qui, en contrepartie, fait augmenter la dette par habitant. Le remboursement, ça va passer par quoi? Par les prélèvements sur vos investissements. Autre solution, un peu plus passive, ça va être la revalorisation des salaires. En effet, on va avoir une revalorisation du SMIC qui va être indexée à l'inflation. Alors au final, quelles conclusions en tirer? De par leurs mesures, Bruno Le Maire a annoncé le 4 août 2022 au micro d'RTL que pour lui, l'inflation allait continuer puis se stabiliser à la fin de l'année 2022. Et il voit pour 2023 une diminution de cette inflation, mais sans grande certitude. Il dit faire les comptes à la fin de l'année. Ne vous méprenez pas et n'attendez pas début 2023 pour qu'on vous dise que finalement, l'inflation continue de grimper. Tirez-en vos propres conclusions, mettez en place vos propres actions. Et surtout, faites les bons choix pour protéger votre pouvoir d'achat. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne en activant la petite cloche pour ne rien rater des prochaines vidéos. En tant qu'investisseur, il y aura plein d'autres solutions à mettre en place pour gagner en pouvoir d'achat et du moins gagner en cash flow. Donc n'hésitez pas à vous abonner, laisser un petit j'aime et un commentaire pour savoir quelles solutions vous avez mis en place pour contrer cette inflation.